Mais vous arrêtez de vous chamailler tous les deux? C'est pas possible, ça. Ah, vous venez de louper une scène, père et son fils, je vous raconte pas, parfois c'est détonnant. Hello, hello, et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors, je me suis préparée ce matin, mais là j'allais monter dans ma chambre pour m'occuper de mes cheveux parce que là je trouve qu'il n'y a plus vraiment de coupe. Il faudrait vraiment que j'aille chez ma coiffeuse. Vu que j'ai laissé pousser, en fait, on a pas trop coupé à chaque fois. Mais là, quand je fais rien dedans, si je les lisse pas ou si je les boucle pas, je trouve que la boucle naturelle, elle est pas méga chouette. Donc, je vais aller prendre mon fer à gaufre géante. Ben, je vais vous montrer. C'est celui-ci. Donc, il fait vraiment des gaufres, on va dire, de taille hyper, hyper grosse. Pas des toutes petites gaufres. J'étais déjà coiffée comme ça dans un des vlogs d'il y a une quinzaine de jours et apparemment vous aviez trouvé ça plutôt sympa, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne parce que c'est hyper simple. Mais avant de faire ça, je vais d'abord commencer par me faire une mini tête, je pense que ce sera plus logique dans cet ordre là, donc c'est parti. Alors, je vais faire comme d'habitude, je vais tricher, je vais démêler en fait que ce qui se trouve sur le dessus de ma tête, ce qui fait déjà pas mal de cheveux dont s'occuper, on va le dire comme ça. Et on va voir déjà ce que ça rend en faisant cette technique-là. Voilà, c'est juste pour aller plus vite. Donc je coiffe vraiment que les mèches du dessus. Pendant ce temps-là, bien entendu, j'avais mis l'appareil à chauffer. Voilà, donc celui-ci je l'avais trouvé dans un magasin qui s'appelle Electro-Dépôt il y a longtemps et franchement il marche bien. Voilà, là je l'ai mis en position 2, c'est vert, c'est prêt, on peut y aller. Et vous allez voir, c'est vrai que c'est assez rapide. Alors j'ai quand même commencé par les mèches de derrière. Et je vais vous montrer 2-3 mèches et ensuite je passerai en accéléré parce que vraiment... Sinon, c'est juste hyper répétitif, quoi. Hop, premier cran. Deuxième cran. Et voilà, la mèche est faite. Donc comme pour les boucles, j'y touche pas quand je viens juste de les faire. Et ensuite, je passerai la main dedans
pour les détendre un petit peu et pour les, comment dire, pour les séparer un petit peu pour que ça fasse pas trop, trop pareil. Mais voilà, en gros, c'est vraiment en fonction de la longueur des cheveux. Donc, un cran, on attend un petit peu. Et hop, le deuxième va se faire automatiquement. Et le troisième s'il faut. Et voilà, je vais faire comme ça toutes les mèches du dessus. Et on se retrouve à la fin. Forever high, low, always been the bad one. Riding just to feel light. Screaming, dreaming, feeding fire. We've got that something, hearts on fire, I'm dripping. Tripping on your pale lights. Me and you forever blind. You drive me crazy, baby. Oh, you make the moon blue, baby. I'm yours. Yeah, you breathe fire, baby. Oh, you make me howl. Yeah, baby, I'm yours. Stay forever wild. Un peu que ça refroidisse pour passer la main dedans, mettre un petit peu de spray pour détendre un petit peu, etc. Mais en gros, voici l'effet que ça donne et c'est vraiment hyper rapide à réaliser. Et là, si je ne me trompe pas, c'est l'heure de manger. Donc je vais descendre pour aller voir si le chéri a prévu de manger ici ou peut-être à l'extérieur, je sais pas du tout, je vous tiens au courant. Bon, à l'arrivée, j'ai mis mon spray de finition et j'ai essayé de les détendre un petit peu, mais t'as vu la masse que ça me fait ça. Là, ils sont en train de tous repousser, il n'y a plus du tout d'effilage, de dégradé, de quoi que ce soit, ce qui fait que j'ai bouclé que celle du dessus, là. Tu te rends compte ? Ouais. Ça fait une sacrée... ça fait du volume, voilà. Mais j'aime bien, je trouve que ça change des cheveux très très raides et très plats. Donc je disais, on mange ici ou on mange dehors ? Tu sais pas ? Bon, on va se décider, puis quoi qu'on fasse, on vous montre. À l'arrivée, petit repas maison. On a donc du poulet, du riz, et tu nous as mis un petit peu de sauce dessus. Toi, t'as de la crème. J'ai un peu de crème ? Oui. Mmh. Bon appétit. Voilà. Et donc, changement de décor, je vous retrouve dans la voiture puisqu'on a décidé d'aller faire un petit tour cet après-midi chez Zodio, déjà pour commencer, parce que je sais pas si vous vous souvenez du petit lot de 3 colorants alimentaires que j'avais acheté avec le chéri. Et quand on était rentré à la maison, on s'était aperçu qu'en fait quelqu'un avait changé une couleur à l'intérieur. Bah, en fait, on n'est toujours pas allé au magasin pour leur dire et pour les changer. Donc cette fois-ci, c'est bon, on l'a dans la voiture, on va y aller et on va voir ce qu'ils nous disent. J'espère qu'ils vont pas dire que ça fait longtemps qu'ils vont pas mégoter pour échanger le produit. On verra, ce sera la surprise. Voilà, ça bouge ici. Et donc, faire à suivre. Et au passage, aujourd'hui, il fait super beau à nouveau. Bon, bah, en définitive, on a échangé le produit où il manquait, enfin, où il n'y avait pas les bons trucs à l'intérieur. Ça s'est très très bien passé. Hein. Ils avaient juste besoin du ticket de caisse, tout simplement. Même si ça faisait un petit moment, ils n'ont pas discuté. Oui. Ils ont été super sympas par rapport à ça. Et j'ai aussi trouvé 2-3 autres bricoles. Je vous montrerai ça en rentrant à la maison. Oh là, ça bouge vraiment beaucoup, cette route. Et là, bah, on file direction l'école pour aller chercher les enfants. Coucou Loulou. Salut. Comment ça s'est passé aujourd'hui ? Bien. Bien. On va déposer la puce à l'aïkido. C'est l'heure du goûter, pour les grands aussi. Ouais. Ah, j'ai bien envie d'une banane, moi aussi, pour le coup. Tiens. J'ai envie de manger des fruits en ce moment, j'ai envie de frais. Et au passage, ben, on sait quand notre factrice habituelle est en jour de repos ou en vacances.
puisque apparemment son remplaçant ne veut jamais venir m'emmener mes colis, même quand je suis là. Ça, c'est le truc vraiment relou à ce niveau-là. Quand on pense qu'on est là toute la matinée et qu'il met un avis de passage. Merci le remplaçant. C'est vrai que ma factrice, pour ça, elle est vraiment géniale. Elle ne me fait jamais le coup, quoi. C'est toujours quand elle n'est pas là que ça arrive. Donc, bah, bon goûter tout le monde. Je vais goûter aussi. Merci. Sinon, pour le goûter, il y aurait bien l'option des petits Reese's Big Cup. Mais c'est moins healthy quand même pour le goûter. Ceux-là, je les ai trouvés chez Toys R Us avec le chéri. Maintenant, on trouve tous les produits Reese's chez Toys R Us. Enfin, toute cette gamme-là, en fait, au beurre de cacahuète, parce qu'il en existe énormément. Et du coup, je suis trop contente. Mais je suis raisonnable parce qu'on les a achetés quand ceux-là ? Vendredi. On les a achetés vendredi et ils sont toujours là. Je vais peut-être craquer avant la fin de la journée quand même. Pourquoi tu rigoles ? Bon, remarquez dans l'histoire, il y a moins raisonnable que moi encore, hein. N'est-ce pas ? On t'a vu griller encore. Mais vous arrêtez de vous chavailler tous les deux. C'est pas possible ça. Ah, vous venez de louper une scène, père et son fils. Je vous raconte pas, parfois c'est détonnant. On va dire ça comme ça. Ou plutôt, très amusant, n'est-ce pas ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est toi qui nous fais bien rire. Hein. Donc, on va échanger. On emmène Loulou à l'aïkido, on va récupérer la puce. C'est bon, on a récupéré la puce. Oui. Et là, on va faire un petit tour à l'animalerie pour chercher des granulés, c'est mieux, et du foin pour Oreo. Les granulés, le foin. Oui. On est bon ? On est bon. Allez, on a récupéré Loulou, on est rentré à la maison. Là, on va pas tarder à manger. Mais avant, je voulais vous montrer ce qu'on avait ramené de chez Zodio et le chéri. Donc, comme je vous l'avais dit, on a repris la bonne boîte cette fois-ci avec les bonnes couleurs dedans de colorants alimentaires. Du coup, on a vu aussi qu'il y avait d'autres couleurs qui existaient. Et on s'est dit qu'on allait les tester, que ça éviterait de devoir faire des mélanges. Tu sais, les mélanges un peu compliqués pour obtenir du violet, du rose, tout ça. On va voir si ça, ça marche bien. Et également, ben, j'ai craqué sur des petites choses spécial pack. Chocolat. La petite sucette chocolat au lait avec un poussin dessus. Et tout vient du comptoir de Mathilde. Donc normalement de très très bon chocolat. Les petites cuillères pour faire le chocolat chaud. Dont une avec un petit poussin aussi, t'as vu ? C'est trop chou. Et là, on a du chocolat au lait avec un petit lapin. Voilà. On a trouvé ça trop mignon. Et j'ai aussi craqué pour des petits poussins de toutes les couleurs. On s'est dit que pour des photos Instagram, peut-être pour Pâques, et puis pour faire un petit peu de déco pour Pâques, ce serait mignon. Donc voilà tout pour les petites trouvailles. Du coup, on va vous laisser pour le petit vlog du jour. Parce que là, il faut aller manger, ensuite se doucher et dodo. Demain, c'est mardi, il y a école, ça rigole pas. On vous laisse, on vous envoie plein, plein, plein de gros bisous et on vous dit à très, très bientôt. Ciao! Salut! Salut, salut!